Allez, c'est reparti, on peut y aller. Ah, attends, je suis coincé dans une pièce là. Faut que je cherche la sortie. Ce n'est pas encore prêt. Bravo, c'est par là. NBV. Oh merde, je suis con. Putain. Je vais ça. J'étais juste à côté, j'allais 13 en fait. Ah mais t'es là. Ok. Ouais, c'est bon. Ah tiens. Oula, y'a des babous. Hop. Putain. Je vais serrer. Masse légendaire. Ah y'a du stuff là, j'ai. Masse légendaire, elle est pétée cette masse. Alors. Ce n'est pas encore prêt. Allez. Hop. Illusion kabbaliste. Ah j'aime pas ces levels là comme ça. Pourquoi? Oula. Parce que c'est trop éparpillé, c'est pour ça. Je dirais que c'est level 1 en fait. Là ça va vraiment vraiment bien ensemble hein, les deux. Ouais c'est assez vénère. C'est. Sauf que le cooldown est assez long, tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment dommage. Ouais. Pour le temps que ça reste en plus au sol, donc c'est pas fou. Putain, je suis dégoûté, j'ai eu une déco sauvage, ça m'a enlevé mes pylônes quoi. Je suis vraiment fané quoi. Bah toi aussi du coup en fait t'as du tout le temps le même. J'ai masse parangon à activer. Ce n'est pas encore prêt. Oh un lutin. C'est un trésor en plus putain. Tu l'as eu? Non il est non, là. Non, il est là. J'ai enculé. Ah voilà c'est bon. Allez. T'as eu un légendaire? Non. Rien du tout. Ah j'ai que dalle aussi. Il y a un autre, il y a des autres élites, hein. Fais gaffe, ce sont électriques, ils font mal cela. Hop là. T'as vu comment ils sont? T'as vu la flax ce que ça leur fait? Total stun. Ah ouais, fois, attention. Je ne peux pas porter plus. Oh un pilote. Ah je peux pas porter plus. Attends vite fait, je fais un petit épée à la ville histoire de. Ouais moi aussi bien. Ah merde, je suis en train de me faire attaquer, mais non. Bravo. Du coup on se fait taper à l'illusion. Ah mais j'y suis. Je t'attends. Voilà. Je t'attends. Voilà. Ah il est là. Allez c'est parti. Ah ouais d'accord. Okay. Oula, il est pas content lui. Là tu vois j'en ai appris un truc quand. Ah pas, t'es souhaité. Ah désolé. Les pylônes se bah, disparaissent. C'est pas cool ça. Pas grave, c'est. Oula, 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 le feu est pas cool. Du babou là, non? Je ne fais absolument aucun dégât, je suis vraiment là en touriste. Gaffe, ouais. C'est vraiment très chiant ces trucs de flammes. Ouais, on descend. Là, on fait du tourisme. En tourment 7. En fait, c'est, je te dis, c'est vraiment ton arme en fait hein, qui fait vraiment la diff. Hein. C'est abusé sans gemme, sans truc, ça vaut rien quoi. Oh là, oh là, oh là. Voilà, maxi freeze mon gars, dans les flammes, génial. Non, vas-y, je reste. Oh. C'est putain de hein, le monstre là qui m'a chargé, qui m'a stun dans les flammes. Je te dis, ça doit être chaud hein, de jouer en hardcore là sur ce jeu. Oui. Meurs une fois ton perso tu le retrouves plus. C'est fini. Il faut attendre. Les mecs ils doivent avoir une connexion de ouf. Ah ouais sans ça t'es perdu. Hein. Ah ouais. Allez hop là ouais, mortier. Je crois que je suis ouais, parce que l'aspect de mon perso, comme tu disais, de la E là, c'est n'importe quoi. Faut vraiment que j'aille vraiment au corps à corps et que je frappe le plus vite possible pour rester en vie en fait. Allez, voilà, prends les goldes, toujours ça de prix. Oh, légendaire. Ah, mais y a un babou là, y'a les babous. Ouais, j'ai juste de les imploser. J'aime bien quand il y a des énormes packs de mobs comme ça là que t'arrives.
Putain, je peux toujours pas faire ma flaque. Ça c'est vraiment, il faut, vraiment que je fasse quelque chose pour ça. Ça c'est la réduction. Ouais, réduire le cooldown. Tu pourras sertir, tu pourras mettre 6,5% de recharge en moins, tu sais, de temps de recharge en moins. Oula 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 oula. Putain, mais je l'utilise en fait, mais très très peu le champion d'Akarat que j'ai pris, l'aspect. Quasiment presque pas besoin quoi. Ah! C'est quoi ça? C'est la suite? Du orange. Ah, c'est un petit level ça. Illusion du Kabbaliste 5. Bonjour. Allez. Oh, c'est à le voler. Toujours ça de prix. Et en plus c'est abusé parce que je fais vraiment max des dégâts quand l'anneau là, tu sais, où on a un buff, c'est ça change en poison, en électricité, etc. Dès que ça devient physique, mec, je mets des pissages de l'enfer. Là je viens de prendre un espèce de saut plus 25% au gain d'intelligence. Ah pas mal. Tu l'as toi aussi ou... Ah y'a du babou là. Ah mais... Un saut. Ah j'ai été TP. Pas vraiment compris ce qui s'est passé là. Ouais, c'est les monstres qui te TP. Alors des fois, mon gars, c'est horrible. Il te TP, il te cage et il te profate. Ça, mais là, j'allais mourir et il m'a TP à un endroit safe. Ah, il te... Donc, il faut attendre. Plutôt worse. Worse hit. Allez. Niveau 164. Donc là après, qu'est-ce qu'on va faire quand ce sera fini les... Qu'est-ce qui va se passer exactement? Alors ce qu'on peut faire, c'est faire une faille supérieure pour améliorer tes gemmes. Ce serait bien que t'en aies une niveau 25, ça va te mettre un bon up. Genre ta gemme de résistance là, ça serait vraiment fat. De quoi niveau 25 là, là... Ben en fait t'as vu quand tu regardes tes gemmes sur ton anneau là que t'as mis. Ah une gemme niveau 25, d'accord. C'est les rangs en fait, c'est les rangs que t'as en fait. D'accord. C'est le niveau de ta gemme. Et quand c'est en dessous de 25 en fait ça te met une stat. Et quand t'arrives à 25 en fait, le rang 25 ça te met une autre stat en fait. Et une grosse stat. D'accord. Genre toi ta stat c'est si t'as moins de 50% de vie, t'as toutes tes résistances qui sont augmentées en fait. Et ça c'est bien bonheur. Ok bah de toute façon on doit de toute manière finir celle-ci avant. Et après on pourra partir pour une supérieure, c'est ça? Ouais. Ah mais je crois que j'en avais une deuxième en plus, tu sais, okay, de... Allez. Pendant 10 minutes encore là? Ouais, pendant 10 minutes. Oh là là, c'est vraiment énorme ça. Ah non, vitesse dimensionnelle 54 secondes. Putain, c'est bizarre. Ouais, je pense pas que tu peux le garder pendant. Ça dépend des pylônes en fait, je crois. Oh. Alors, ça, enchanté par les arcanes, alors ça c'est juste horrible. Faut faire super bellec à ça. Parce que ça OS. Oh! Petit buff boss pas, heureusement qu'on a la vitesse. Ils sont encore là. Dans l'idée, ça se joue comme ça. Hop là. Oula. Oula, ah ils bah sont pas contents ceux-là non plus. Ah bah les arcanes, pas le temps de faire quelque chose. Complètement énervé. Oula. Non, ça va. Ah bah tiens. Qu'est-ce que t'as trouvé? Oula, il est pas content celui-là. Allez. Oh. Oh. Voilà. J'ai failli mourir deux fois quoi. Le truc c'est que je me la prends. J'appuie sur espace pour boire ma potion très très vite et je repasse dessus comme un noob. Comme un nobo. Newbie. Ah bah voilà, on a fini la faille. Ah bah voilà. Hop. Même si c'est court. Du coup, ouais. on a gagné. Ah oui, il faut attendre qu'il y ait pas mal de trucs, moi aussi. Du coup, on va aller d'aise. Ouais, parfait aussi. Fermeture de la faille de Nephalem. Du coup, voilà comment se déroule du coup l'étape 2, plus ou moins. Ce qui m'a permis de récupérer la clé de faille supérieure. Et. Des items, un peu d'XP. Pas vraiment fou hein, en item. J'ai pas récupéré ce que je voulais.
Ouais, t'as qu'à pas savoir se faire dans. Ouais, c'est pas vraiment monstrueux et du coup là. Avant de trouver mes armes aussi, mec, j'ai mis un temps. Ouais. Du coup, à de suite pour la faille supérieure.